Excellence, le détachement d'honneur de la police, commissariat territorial de Haut-Plateau, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail ici à Minembwe. Je vous invite à passer la troupe en revue. Le commandant troupe, le commissaire principal, Mwamba Kisubi. À vos ordres. Sur les montagnes de Minembwe, Azarias Ruberwamaniwa a reçu un bain de foule chaleureux. Chants et danses traditionnelles intoré ont marqué ce moment inoubliable. Des femmes venues de tous les coins du territoire de Fizi sont venues accueillir leur fils. Elles chantaient en Swahili, Azarias Ruberwa, notre fils, le Congo nous appartient. De l'aérodrome de Minembwe, Azarias Ruberwa, son épouse et toute sa délégation se sont dirigés tout de suite au centre d'enrôlement. Après avoir franchi toutes les étapes, le couple Ruberwa a obtenu sa carte d'électeur. S'en est suivi le sénateur Moïse Nyarugabon. Le chef du centre d'enrôlement de Minembwe a confirmé avoir enrôlé au total 32 000 électeurs. Il a aussi relevé quelques difficultés dues à l'inaccessibilité dans la localité. Minembwe est géré par l'antenne de Fizi. Donc logistique passe à Fizi, finance passe à Fizi, au moment où nous avons difficulté de la situation sécuritaire en cours de route aux MCI qui a été emporté par les bandits. Azarias Ruberwa a été enrôlé dans l'enceinte de l'établissement scolaire où il a effectué ses études primaires. L'émotion était visible. C'est tout simple, c'est un choix naturel. Je suis originaire d'ici. C'est dans cette école primaire que j'ai eu mon certificat d'études primaires. Le cycle d'orientation qui était appelé CO, sigle, c'est ici que je l'ai fait. La troisième année secondaire, je l'ai fait ici, j'ai quitté ici pour poursuivre les études à Calémie, c'était en quatrième secondaire. Donc ici où nous sommes, c'est dans le territoire de Fizi. Mon village est à quelques kilomètres d'ici, il est situé dans le territoire de Mwanga. Les effectifs qui viennent de me donner ou les statistiques sont encourageantes. Mais en même temps, j'en appelle à tous ceux-là qui ne se sont pas encore fait enrôler de le faire. Bientôt, ça sera la clôture. Et ce devoir, il reflète la démocratie. Plus vous vous faites enrôler nombreux avec un taux d'abstention faible, plus vous allez prétendre à des droits liés justement au code électoral. Le patron de la décentralisation a ici encore promis de faire rapport à sa hiérarchie des difficultés qu'éprouve la population pour atteindre les centres d'enrôlement à cause de l'insécurité.